En championnat national 3, l'USLCF recevait Poitiers samedi au stade Louis-Goubet de Lège. Après l'ouverture du score par les joueurs de la Presqu'île dans les premières minutes de jeu, Poitiers est revenu à égalité. Un score d'un partout qui ne devait plus bouger jusqu'à la fin du match. On savait que ça allait être un match compliqué face à une équipe avec des moyens colossaux au niveau effectif. Donc je pense qu'on a proposé du jeu, on a été solidaire, cohérent dans ce qu'on a proposé ce soir. Maintenant, je pense que l'égalisation vient trop vite. Donc je ne sais pas si s'il y a faute sur mon joueur, sur l'égalisation, mais bon. Voilà, je pense qu'elle vient trop vite. On n'a pas eu le temps d'installer notre jeu après ce premier but marqué. C'est dommage. Mais dans l'ensemble, Poitiers est venu pour défendre, n'a pas eu énormément d'occasions de but. C'était un match tactique, un match de milieu de terrain. Donc voilà, c'était, je crois, un bon match de football. Mais pour les passionnés, bien entendu, qu'on aurait aimé gagner. Mais pour le staff, c'est un match qui s'est fait... de façon tactique et quelque part, voilà, on n'a pas réussi à marquer ce second but, on ne s'est pas procuré énormément d'occasions de but non plus. Voilà, c'était un match de milieu de terrain avec, voilà, c'est à chaque fois, c'est quand le jeu est basé sur deux schémas tactiques pour effectivement l'un contre l'autre et vice versa, mais ça amène à des matchs fermés comme ce soir. Mais j'ai rien à reprocher à tous les joueurs qui étaient présents ce soir. Ils ont fait un bon match. On a manqué de justesse dans la dernière passe, on a manqué de poids offensif. Mais c'était un bon match de football tactique, évidemment. Mais je pense que Poitiers était venu pour chercher le match nul et ils repartent avec ce qu'ils sont venus chercher.